Il n'y a aucun mot qui est capable de traduire ce que l'on a supporté, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. Aucun, aucun. Mais par contre, il ne faut pas que ça recommence. C'est ça que je vous demande. C'est ça, votre génération. Depuis 15 ans, Ginette Kolinka sillonne la France et va à la rencontre des jeunes pour partager son histoire. Âgée de 88 ans, elle a survécu au camp d'extermination nazi. Juive de confession, elle est arrêtée à l'âge de 19 ans pour être déportée le 13 avril 1944 dans le convoi 71 à destination d'Auschwitz-Birkenau. Tatouée sur le bras gauche du matricule 78 599, elle y perdra son petit frère ainsi que son père, casés tous les deux. Naturellement, le pire, c'était Birkenau. Le Birkenau, vous aviez la mort sur vos têtes depuis le matin jusqu'au soir. Alors Bergen-Belsen, c'était le début, c'était le manque de discipline qui faisait que c'était la loi du plus fort. Ainsi, pendant 2 heures, Ginette Kolinka a décrit les atrocités qu'elle a vécues dans ses camps face à une assemblée plus qu'attentive. L'occasion pour ces jeunes de poser des questions et de se projeter dans leur histoire, autrement qu'à travers des manuels scolaires. Le deuxième intérêt, il est plutôt citoyen. S'interroger sur les dangers quand on commence à stigmatiser une population, quand on commence à manipuler les gens. Donc à partir de quand on doit s'arrêter, désobéir, réfléchir. C'est à l'occasion du tournage du film La liste de Schindler de Steven Spielberg qu'elle a été sollicitée pour témoigner la première fois devant une caméra. Depuis, elle n'a de cesse de raconter son histoire, mais semble sceptique quant à l'impact que cela peut avoir sur les jeunes générations. Égoïstement, je le fais parce que je trouve que c'est à moi que ça fait du bien. Mais je ne crois pas entièrement au résultat de ce que je, le pourquoi je le fais. Parce que moi, si je le fais, c'est pour faire comprendre aux jeunes où mène le racisme. Et c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. À sa sortie du camp de Theresienstadt, elle pèse 28 kilos et est méconnaissable. Depuis, la vie a repris ses droits et elle se dit aujourd'hui heureuse et chanceuse, car seuls 2% des déportés ont survécu à ces camps de la mort.